every time that I see your face, it always makes me smile. Oh, oh. And every time that I drive to you, it's always worth my while. Bonjour à tous, ici Dingo d'Orwan. Aujourd'hui, encore un petit tuto en attendant la bouloir électrique. Donc, puisque vous avez voté pour la bouloir Xiaomi connectée. Donc, le temps que je la reçois, donc en attendant, je vous ferai des petits tutos. Donc, ça devrait pas prendre longtemps pour qu'elle arrive. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir les radios françaises ou étrangères sur vos gateway Xiaomi, donc la version V2, ou sur la radio de chez Xiaomi, tout simplement. Comme moi ici, si vous entendez du son en arrière, c'est la radio de chez Xiaomi. Donc déjà, on doit remercier nos amis russes pour ça, parce que ça fait déjà 3 ans qu'ils nous mettent à disposition leur serveur. Donc c'est nos amis de Ximiraga. Donc c'est ximiraga.ru. Donc là bien sûr Google va se charger de nous traduire. Sinon ils ont leur site en anglais et en russe, c'est très sympathique à eux. Donc au niveau, vous pouvez corriger au fait. Donc vous pouvez leur demander des radios, mais pour l'instant en fait depuis le 27 janvier. Tous leurs serveurs sont complets, donc ils disent bien ici hein, les slots gratuits pour les nouvelles stations de radio, donc ils n'ont pas de nouveaux. Donc moi j'étais arrivé tout au début, et tout au début bah, je pouvais demander les radios que je voulais et j'ai eu ce que je voulais. Donc j'ai demandé des radios belges, j'ai demandé Skyrock, j'ai demandé Pure FM par exemple et tout ça. Donc vous pouvez donc regarder, scruter le temps qu'ils rajoutent des slots hein, parce que le monde entier lui demande des radios, donc bien sûr. Donc normalement il met en lien les radios que vous pouvez avoir. Donc ici on voit bien sûr il y a beaucoup de radios russes, donc mais sinon il y a beaucoup de radios françaises quand même. Des Français ont été actifs pour lui demander de lui mettre des radios. Donc il explique aussi comment faire, mais moi je vais vous montrer comment faire avec l'installation avec un routeur Xiaomi. Donc c'est valable aussi pour les autres routeurs. Donc c'est très simple. Donc vous allez ici. Donc moi j'ai l'application Mi Wi-Fi. Donc vous allez sur Mi Wi-Fi. Donc je vais éteindre la radio. Hop, voilà. Donc vous allez sur votre routeur, soit avec votre PC, soit avec l'application, donc mais avec le routeur Xiaomi c'est très facile. Donc après vous allez dans Settings, puis vous allez dans More, hein, plus, non c'est pas ça, excusez-moi, vous allez dans Network Settings plutôt, et vous allez dans Internet Mode Settings, le premier, et là vous changez votre adresse dynamique, donc le D ici. Donc le dynamic IP, donc le DNS. Donc et vous tapez cette adresse ici. Normalement vous avez deux endroits, donc deux DNS disponibles hein, si vous utilisez pour autre chose. Je sais qu'il y en a qui s'en servent pour d'autres choses. Donc là vous entrez le 82.186.38.202 et là automatiquement sur vos gateways, sur votre radio Xiaomi, vous allez avoir les radios qui sont chez Ximiraga. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de piratage, il n'a pas accès à vos données, vous inquiétez pas pour ça. Donc maintenant je vais vous montrer, donc on va aller sur l'application Mi Home. Donc comme vous avez entendu, hein, j'écoutais Skyrock avec la radio Xiaomi, donc là qui est en général dans ma salle de bain, mais je l'ai déplacée aujourd'hui. Donc il y a eu une mise à jour de Mi Home il n'y a pas très longtemps. Donc, et comme je ne me suis pas connecté avec ce téléphone-là à la radio, ben, ça recharge. Donc, patientons un peu. Voilà. Donc là, vous avez l'interface en chinois. Bon, si je vais par là, ça ne va pas. Et là, vous avez toutes les radios que j'ai mis en favoris.
ça vous voyez un petit peu les radios que j'ai mis en favori. Sinon, vous allez là. Et là, dans le plan, normalement ici dans les coordonnées donc du GPS, vous voyez que les radios chinoises, vous ne voyez rien, puisque normalement s'il y a les radios chinoises, mais je ne me rappelle plus parce que ça fait très longtemps, vous avez toujours accès aux radios chinoises, hein, bien sûr, pour ceux qui aiment bien. Et là, vous avez toutes les stations. Attendez, ici, mondial, voilà, ici, et vous avez accès à toutes les stations de Ximiraga, donc toutes les personnes qui sont demandées de rajouter leur station. Et là, vous sélectionnez et vous les mettez en favoris. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué, hein, donc il faut pas... Donc, bien sûr, je vous montre avec le routeur Xiaomi, avec les autres routeurs, bon, je suppose qu'ils ont aussi leur propre application, et ça doit être aussi simple. Donc je pense pas que ça doit être aussi compliqué pour accéder. Donc il faut trouver où installer l'adresse DNS tout simplement. Donc c'est le moyen le plus simple. Donc vous voyez tous les radios que j'avais mis en favoris, ils sont cochés et je les retrouve. Donc ici par exemple, je les retrouve dans mes favoris ici. Donc pour les gateways, donc c'est la même chose, moi j'ai possède 3 gateways, mais j'en ai un, donc c'est l'ancienne génération, hein, c'est mon premier gateway. Il n'a pas la radio. Donc ici il y a 2 gateways, le troisième il doit se cacher ailleurs, je ne l'ai pas mis en favori sûrement. Donc on va prendre celui-là, la version V2 hein, qui possède la radio. Vous glissez, vous avez les radios, on va rentrer ici et vous voyez... Vous devez aussi faire rajouter vos favoris aussi, c'est pas relié vos favoris, donc moi que j'ai dans la Mi Radio et dans le Gateway, il faut aussi créer vos favoris. Et là vous sélectionnez, là c'est des étoiles, dans la Mi Radio c'était des cœurs. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous a aidé, merci à nos amis russes Ximiraga, hein, parce que c'est eux qui nous fournissent ce serveur et qui continuent depuis plusieurs années, donc un grand merci à eux, merci à vous, donc j'ai vu que j'ai beaucoup beaucoup d'abonnés en plus, merci à eux, merci, bienvenue sur la chaîne, merci aux anciens de me soutenir, merci aux nouveaux, merci d'acheter via mon blog, hein, n'oubliez pas mon blog, mon plan. Vous trouvez tous les nouveaux codes promo. Ici, j'ai rajouté donc tous les codes promo que Gearbest m'envoie. Je vous les mets en publication sur mon blog parce que c'est vrai que moi, en général, je recevais ces codes promo, mais je faisais une sélection. Je faisais une sélection des produits qui m'intéressent moi. Donc si... mais je sais qu'il y a d'autres produits qui vous intéressent vous, hein. Je vois quand vous commandez, hein, parce que moi je peux voir si vous avez cliqué sur mon lien et que vous achetez par exemple après une autre chose, ben je vois ce que vous avez commandé par exemple. Donc voilà, donc c'est pour ça que je mets aussi les autres codes promo, parce que je vois que parfois les personnes achètent au prix fort, ils ne prennent pas le temps de me demander un code promo. Donc pas de problème, hein, si vous voulez acheter au prix fort, pas de souci. Donc mais sinon, vous pouvez toujours me demander un code promo. Donc merci d'avoir regardé, à la prochaine, bon week-end, c'était Dingo Dorwan. Yeah. Like the attention, girl, I know you. Know you. But you're everything I want in life. Yeah. We're fighting danger like